Bonjour, hier je vous ai posté un haul action avec les nouveaux dice. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les découpes parce que c'est vrai que les dice on ne se rend pas trop compte de ce que ça rend. Donc là aujourd'hui, alors je ne vous dis pas le temps que j'y ai passé. Enfin bref, je l'ai fait, je vous montre et voilà. Allez, je vous passe sur mes mains. Donc le premier c'est le cerf-volant. Voilà, donc je l'ai découpé. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc ça, évidemment, ça s'enlève, c'est séparé. Ça, c'est séparé. Et les petits ronds, je pense que c'est pour mettre une autre couleur sur le petit nœud, là, vous voyez? Voilà. Donc le ballon, voilà, c'est séparé. Le papillon, c'est pareil. Vous avez d'autres. Je pense qu'on va pouvoir mettre une autre couleur dessus. Voilà. Donc ça, c'est le cerf-volant. Allez, je mets de côté le cerf-volant. Ensuite, on avait le dice de l'été, voilà, comme ça, là, celui-là. Donc, je l'ai découpé. Voilà ce que ça donne. Donc, les maillots de bain, les glaces. Ça, c'est le palmier. En fait, il aurait fallu faire plusieurs fois le découper pour faire plusieurs feuilles. Vous voyez, comme ça, là, faire plusieurs machins. Les tongs, ça, c'est pour faire les vagues de l'eau. Donc, on ferait plutôt en bleu, bien sûr. Et ça fait l'île. Voilà. Ça fait l'île. On met le palmier. Voilà. Et les petits maillots de bain. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la plage. Après, j'ai découpé, hop là, le nichoir. Là, je vous montre derrière le nichoir. Voilà ce que ça donne, le nichoir. Donc, ce qui est bien dans le nichoir, c'est que ici, voilà, on peut faire plusieurs couleurs pour mettre sur le toit du nichoir. Et ils ont fait le cœur. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on peut faire une autre couleur et faire juste le tour du cœur ici. C'est pas mal. Voilà. Et le petit oiseau qui est tout démonté. Donc, il faut tout assembler avec plusieurs couleurs aussi. C'est pas mal aussi. J'aime bien quand les dies, ils sont décomposés comme ça. Puisqu'après, nous, on peut les recomposer. Je sais pas si je me fais comprendre, mais après, on peut faire plusieurs couleurs. C'est sympa. Donc, le suivant, c'est le gâteau. Voilà. Alors, je me suis aperçue justement que je n'avais pas remarqué, mais en faisant ce dies-là, c'est que le gâteau, ils ont fait les bougies, ils y ont prévu. Vous voyez, ces deux bougies-là? Là, c'est pareil, hein, j'ai fait les flammes, elles sont séparées. Hein. Mais j'ai trouvé l'idée super, je me suis dit, si on ne veut pas mettre les mariés, on peut mettre les deux bougies pour faire un gâteau d'anniversaire. Et là, bah, vous mettez toute la décoration avec une autre couleur. Ça, c'est fait le fondant du chocolat. Hein? Le fondant du gâteau, pardon. Pourquoi je dis du chocolat? Ouh, la gourmande, elle pense au chocolat. Là, c'est le support, le porte-gâteau. Vous voyez, ici. Et j'ai remarqué aussi que je n'avais pas vu, c'est que la mariée et le marié, eh ben, en fait, on peut changer les couleurs aussi. Vous voyez, vous pouvez faire la tête par exemple en rose et vous mettez la robe blanche ici. Hop, et le marié c'est pareil. Vous pouvez le mettre la tête d'une couleur et le costume d'une autre couleur. Et ça, j'ai trouvé que c'était une super idée aussi. Vous voyez, toujours pareil, hein, quand les dice sont tout en petits morceaux décomposés, après on peut faire des super trucs. Le suivant, c'est voilà, le pot de fleurs. Donc celui-là, sans surprise, hein, vous faites un pot d'une couleur avec le haut ici d'une autre couleur. Voilà, les fleurs, c'est pareil, vous faites une fleur, vous avez le cœur, vous le faites d'une autre couleur. Voilà, c'est des fleurs et les tiges. Voilà, il y a les tiges. Voilà, on peut faire voilà, avec les tiges et on met les fleurs au bout. Et puis il y a les petites feuilles aussi. Voilà, celui-là, il est sans surprise. On pouvait déjà voir, même sans découpe, à quoi il pouvait ressembler. Ensuite, j'ai découpé les montagnes. C'est pareil, celui-là, il n'a rien d'extraordinaire quand on le découpe. C'est pour ça que je vous disais,
Il faut vraiment le compléter, voilà, parce que c'est des petites fleurs. Ça, c'est l'herbe et la découpe des montagnes. Par contre, je me suis dit, ce qui pourrait être bien, c'est avec cette découpe, c'est faire des fonds. Vous savez, j'ai fait une vidéo où on voit un fond. J'ai fait un fond avec de la pastel sec. Avec ça, je trouve que ça ferait un joli cache pour faire des fonds. Voilà, vous voyez, c'est sans surprise, hein, c'est bon, le soleil, c'est ça, il donne ça, le soleil. Voilà, le petit soleil. Et puis là, il y a les découpes, je pense, pour faire la neige au sommet des montagnes. Vous savez, quand on rajoute la neige en blanc, hop, vous faites une montagne marron, par exemple, et vous mettez en haut pour faire la montagne enneigée. Parce que souvent, les sommets ont de la neige. Voilà. Donc la montagne, toute simple, sans surprise. Le suivant, c'était le fond marin. Vous vous rappelez? Là, c'est pareil, il n'y a pas de surprise, hein. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est les algues, le hublot, le poisson, l'hippocampe, le crabe, la méduse, les algues. Voilà. L'étoile, enfin, vous voyez la coquille Saint-Jacques. Là, je trouve qu'il n'y a aucune surprise. C'est vraiment le dies, comme on le voit, ben, on le refait, hein, c'est pareil. Ensuite, j'ai fait la citrouille, la maison citrouille. Je vous la montre. Voilà. Donc là, ben, je l'ai collé sur un fond noir. Ça vous donne ça à peu près. J'ai pas tout mis les éléments parce que je crois qu'il manque des fleurs, mais bon, vous voyez l'idée quoi, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait le château, le fameux château fort, celui-là. Donc, la petite surprise par contre, c'est que quand j'ai refait le château, je me suis aperçue ben, qu'on pouvait ouvrir les portes. Là, vous pouvez mettre une princesse ou je ne sais quoi. C'est pas mal, les portes s'ouvrent, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait la boîte aux lettres. Et comme je vous l'ai dit, je voulais faire en sorte que ça s'actionne. On peut le baisser et le lever. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Et là, je vous montre, on peut le baisser. J'ai mis un... Comment ça s'appelle? J'ai mis un... Ah, j'ai mangé le nom. Une truc parisienne. Moi, je ne me rappelle plus du nom. Voilà. Hop, hop. Là, c'est pareil, j'ai pas mis toutes les lettres. Parce qu'on peut mettre des cœurs, je crois qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Oui, ils ont mis des cœurs, ils ont mis plus de lettres. Ils ont mis. Bon, j'ai pas tout mis, hein, c'est pas la peine. Vous voyez l'idée, quoi. La petite enveloppe, là. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Hein. Je vais vous laisser sur. Toutes ces découpes que j'ai faites, là je les ai collées parce on voit mieux comme ça, celle-ci. Tout le monde ne se rendait pas trop compte. C'est vrai qu'en faisant les découpes, des fois on a des surprises, comme la porte qui s'ouvre ou comme pour les mariés, là, qu'on pouvait changer le costume et la robe de couleur parce qu'ils sont séparés. Voilà, il y a des petits cœurs, des fleurs, voilà. Et puis voilà, c'est tout séparé en fait. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!